Oui, arrêtez, ma pétion, arrêtez de porter la tenue après la formation. Quand vous êtes militaire, gendarme ou policier, vous rentrez dans votre quartier d'enfance pour massacrer vos propres combis. Les gens que vous avez souffert ensemble, qui vous ont aidé dans le war, parce que tu es devenu militaire aujourd'hui, oh Dieu, t'es cher, qui n'a même pas sa place, un problème que tu as eu avec un ami d'enfance pour longtemps, tu vas appeler tes collègues, tes binômes, pour aller dans ton quartier d'enfance, massacrer tes propres amis. Tout ça pourquoi? Parce que tu es devenu militaire. Non, c'est pas ça. Il y a un moment militaire, tu dois protéger les siens, les gens avec qui tu as souffert. Pas d'aller le massacrer. Non, il y a un chemin normal, Fahre. Ce que vous oubliez, Yaman, quand tu as mission, le même quartier où tu peux massacrer tes amis, tes potes d'enfance, où tu les violentes, tu appelles tes amis venant d'ailleurs pour aller les violenter. Quand tu as mission, votre concession familiale est là-bas, la famille est là. Pour eux, bon, l'OMBP, c'est d'abord les jeunes du quartier là qui vont partir éteindre. D'abord. Donc vraiment, ma pétion maille. Hein? Si tu es militaire, c'est le bien du quartier. Valorise ton quartier, protège les siens. Mais il ne faut pas venir massacrer tes propres amis. Prendre la rancune du passé parce que tu es militaire, tu te rappelles des problèmes. Peut-être que quelqu'un t'avait massacré dans le passé quand tu étais civil. Tu prends la tenue, tu te venges, non?